Bon, la CAN au Cameroun, c'est une bonne chose déjà, un pas en avance, une très bonne chose. Pour moi déjà, ça va nous faire travailler, ça va faire peut-être à travers ça, parce que nous n'avions pas de route à Yaoundé, mais à travers peut-être la CAN, nous aurons de route. Vous savez, nous lavons le taxi, le matin à midi, il faut le laver parce qu'il y a trop de poussière, il n'y a pas de route, il y a trop d'embouteillages, vous me le voyez. Mais au cas où la CAN peut nous apporter de route dans notre pays, vraiment, ça va, ça m'arrangera très, très, très énorme, très, très bien. C'est une bonne chose, une CAN, dans un pays. C'est pour le développement de ce pays. Tout autour de ce qui peut se passer dans l'ombre, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est un bon projet, je suis petit pour l'instant. Comment les gens gèrent cela, il y a encore tellement à dire là-dessus. Mais pourvu que ça aboutisse, tout ce qui a été entrepris. C'est important. Hein? Vous-même, depuis là, ça se joue seulement chez vous. Si ça se joue chez nous, est-ce que c'est aussi mauvais? Tous les jours, les robes, en Amérique, en Europe. Et si ça se joue au Cameroun, est-ce que c'est mauvais? Tout le monde, disons-nous les restes, si ça se joue au Cameroun, c'est mauvais. Tu m'entends, championnat d'Europe, championnat en Amérique, aux États-Unis, mais au Cameroun alors? Moi, ça me plaît si c'est ici. Ce n'est pas question de fête, c'est pour que ceux qui sont aussi là découvrent aussi ce que c'est le Cameroun. Je vais dire, la CAN vient juste être comme un petit saupoudrage, parce qu'au fin fond, au lieu de la CAN, on aurait dû nous donner autre chose. Autre chose qui pouvait nous aider dans le développement social et dans le développement durable. Et quand je pense et que je vois autant de milliards que nous allons mettre dans l'organisation de la CAN juste pour une réjouissance, qu'est-ce que, en soi, de manière fondamentale, le football apporte à ma grand-mère qui est au village, à mon cousin qui se trouve au fin fond de Yokadouma, qui n'arrive pas à se déplacer 170 km de Yaoundé et qui fait une semaine en route. Au fond, qu'est-ce que la CAN va lui apporter? Non, la CAN, nous les Camerounais, pour la CAN, nous sommes tellement très fiers, très amoureux. On attend ça après ouvert. Non, ça va, mais d'abord, avant que les étrangers vont d'abord venir, hein, les bien accueillir avec les bonnes routes, avec les bonnes. Tout cela. Ça qu'on veut. Voilà l'Azur, à Douala, on dit. Il y a d'abord quoi, s'il n'y a rien. Il y a les accidents, matin, midi et soir. Alors, qu'est-ce que vous voulez? D'abord, j'ai 27 ans, donc je n'ai jamais eu la chance d'avoir un événement continental dans notre pays. Ce serait pour moi et pour la plupart des jeunes une opportunité pour nous. Je pense que ce serait une bonne opportunité pour les Camerounais et surtout le peuple camerounais de se vendre à l'extérieur, vendre sa culture, vendre sa diversité. D'ailleurs, le programme anglophone aussi, vendre son bilinguisme et sur le plan international. C'est une opportunité, je pense qu'il faut la saisir. Maintenant, mettons notre travail pour que chacun apporte sa pièce à l'édifice. Une bonne chose que la CAN aussi vient au Cameroun. Pour que notre pays soit développé. Pour que aussi on arrange un peu notre pays, on voit comment... Chaque année, on fait la CAN dans d'autres pays, jamais au Cameroun. J'espère même qu'il y aura la CAN, parce qu'on peut faire comme ça à la dernière minute. On jongle, on vous envoie encore. Tu vois? Donc j'espère que, passant la dernière minute, on peut dire qu'il n'y a plus la CAN au Cameroun. Ça ne fait pas partie de mes loisirs. Parce que pour la CAN, c'est d'abord même un jeu interdit à ceux qui. Interdit aux cardiaques. Mais quand je porte un clope et enfin il y a échec, moi je suis un peu touché. À cet effet, je préfère même voir un match qui ne concerne même pas mon pays. Mais si la CAN vient alors au Cameroun, l'avantage économique, quoi qu'il en ait, on aura un push.
les hommes sont unis par le football, plus particulièrement. Et ça va permettre que les Camerounais du nord au sud, de l'est, à l'ouest puissent se réconcilier. Et puis, donner un essor, penser à la grandeur du pays, comment on peut organiser, pourquoi pas la Coupe du Monde.